Bon, je suis parti me balader et j'ai droit à ma pluie tropicale. Oh la vache! Eh ben ça rigole pas, c'est ma première. C'est la douche. Merde! Dans EF Beach, j'ai continué mon exploration et là je suis sur des lagunes. C'est un endroit un petit peu plus. C'est de l'autre côté là, du coup c'est pour ça que la mer est beaucoup plus agitée. C'est une bonne vague aujourd'hui et par contre c'est complètement abandonné ici. Que c'était une grosse pierre pour casser les noix de coco, mais non, pas du tout, c'est du polystyrène. Il y en a plein partout des noix de coco vides. Se balader dans ce village abandonné, ça donne un peu l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. Regarde-moi ce bazar. Mais à mon avis, vu l'état, ça fait quand même un moment que ça n'a pas été occupé tout ça. Bon, après, avec le climat ici, peut-être que ça se dégrade très vite, mais je doute. Là, il y a un petit pont de bois. Spéciale dédicace pour toi, Benoît, si tu vois cette vidéo. C'est un pote. Ma dernière découverte pour aujourd'hui, Turtle Beach. Je crois que ça s'appelle comme ça parce qu'il y a des tortues qui viennent enterrer leurs œufs de temps en temps sur cette plage. Elles viennent pondre. Ici, je crois. Et c'est peut-être à partir d'ici aussi que des gens viennent pour nager avec les tortues géantes. Il y aurait des grosses tortues. Vu que la mer est agitée aujourd'hui, c'est pareil, la plage elle est super réduite en taille. Aujourd'hui, j'imagine que de temps en temps elle doit être beaucoup plus praticable, mais là, c'est marrant, là le sable est beaucoup plus gros aussi. Et il y a des arbres, il n'y a pas de palmiers, il n'y a que des arbres un peu bizarres là qui sont penchés sur la plage. Et j'ai l'impression qu'il y a des moustiques. Et la végétation toujours assez étonnante ici, hein, bien luxuriante. Là pour le coup, on a vraiment de la nature à l'état sauvage, là, quand même, à beaucoup d'endroits. À part, évidemment, tous les bouts de plastique qui se baladent. Donc, ça, ces plantes-là sont un peu agressives.